explorer. Il s'offre une anonyme puis la partage avec l'ex-Devi. La gourmandise est réputée pour être un vilain défaut, mais il faut croire que cet adage ait été jeté aux oubliettes par certains candidats de télé-réalité. Actuellement sur le tournage Zéro Complexe en Tunisie, plusieurs participants de l'émission se sont retrouvés en boîte de nuit pour célébrer l'anniversaire de Dilaan. L'euphorie et l'air de Tunis les ont, semble-t-il, transcendés. Après avoir soufflé ses 23 bougies, l'ancien prétendant d'Aurélie d'Autremont et de Mélanie Dedigama dans Les Princes et Princesses de l'Amour sur W9, a reçu son cadeau d'anniversaire. Une jeune et jolie jeune femme à la robe noire mais inconnue au bataillon. Face à ce présent, le jeune homme n'a pu résister à l'envie de l'embrasser Gouloum, alors qu'il venait de séparer de son ex, Evy un jour plus tôt, avant une chaude seconde partie de soirée, qui s'est déroulée au sein de la villa, aux yeux de tous et sans que la production ne soit au courant. Mais l'histoire n'est pas terminée, puisque que cette belle anonyme a eu des ébats sexuels 2 heures avant avec Florée avant de terminer la soirée dans le lit de Dilaan. Pour rappel, Zéro Complexe est un programme de docu-réalité lancé par la chaîne Star 24 s'intéresse aux opérations chirurgicales, qui seront toutes effectuées grâce à l'agence MedEspoir. La saison 2 sera disponible à partir du mois de mai prochain.